Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais manger McDo, Happy Meal et menu Maxi Best Of. C'est parti, commençons par le Happy Meal, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc moi, je prends toujours des patatos parce que j'aime pas trop les frites de McDo. Elles sont toutes molles et tout. Par contre, les frites de Burger King, je trouve qu'elles sont excellentes. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo aussi sur Burger King et sur KFC. J'adore tout ce qui est fast-food. Évidemment, il ne faut pas abuser non plus. Parce que c'est pas très bon pour la santé de manger ça tout le temps. Voilà. Alors, j'ai un jouet Rubik's Cube, je pense. Oui, c'est ça. Bon, ça m'intéresse pas. Voilà. Par contre, ça m'intéresse quand il y a des jouets Pokémon. Alors, je vais commencer par quoi? Allez, chicken. Et patatos après. J'espère que vous venez de manger ou que vous mangez devant la vidéo parce que là. Ou alors, faut pas que vous aimiez la bouffe McDo. Ou sinon, bah, vous allez arrêter la vidéo et puis regarder autre chose. Si jamais je vous donne trop l'eau à la bouche. C'est bien, c'est bon. Alors oui, moi je suis capable de m'enfiler deux menus de suite dans la même heure, même en une demi-heure. Donc du coup, la vidéo, elle sera pas coupée en partie 1 et partie 2. Ce sera tout en un, près des passages parce que sinon la vidéo elle va durer longtemps, ça risque d'être un peu ennuyeux. Mais pour vous faire voir que j'ai bien tout mangé, je vous ferai voir les emballages, ils seront vides. À la fin de la vidéo, je vous fais voir les emballages, il n'y aura plus rien dedans. Bon, ça vaut pas non plus un bon cendre au beurre blanc accompagné de riz. Alors le cendre, c'est très difficile à capturer, à pêcher. À capturer. Et Danny sera toujours dans les Pokémon. C'est le meilleur poisson qui existe, moi je dis. Le cendre. En deuxième, je dirais, je sais pas. Non, même pas le saumon. Je le mettrai en troisième, le saumon. Je sais plus le nom du poisson là que. En deuxième. Que je mets en deuxième. Je me rappelle plus du nom. Mince. Et je mets le saumon en troisième. Bien sûr, il faut le beurre blanc, sinon. Sinon, bah, c'est beau, terrible, quoi. Avec un petit accompagnement, bien sûr. Mais là, en ce qui concerne McDo, j'ai pris aucun truc avec du poisson dedans. Ça vaut pas non plus une crêperie. C'est ce que je préfère, les crêperies. Et en deuxième, les pizzerias. Fast food en troisième. Ah bah, j'ai déjà fini les chicken. J'allais continuer, moi. Bon bah, patatos. De toute façon, j'en ai d'autres chicken dans mon autre. Ah, quoique. Non, j'avais pris un. Ah non, faut pas que je vous le dise. Vous verrez tout à l'heure. Je vous laisse le. Suspense. Au pire, vous avancez la vidéo. Ah oui, bien sûr, il y a la boisson aussi. Hop. Donc, pour info, j'ai hésité entre le Ice Tea et le Minute Maid Orange. Donc là, j'ai pris le Minute Maid Orange pour changer. La si j'en prends souvent. Après j'ai voulu changer. J'ai pris que une maille d'orange. Je vais me chercher une autre sauce. Alors quand ils donnent des sauces en plus, des fois je les laisse dans mon frigo comme ça pour le McDo suivant chez moi, bah j'en ai un. Parce qu'ils sont un petit peu radins quand même. Ils en mettent pas beaucoup de sauce.
Sinon, faut payer. C'est encore 20 centimes de plus. Je suis pas riche, moi. Je suis étudiant. Moi, je suis étudiant, mais je travaille un petit peu aussi quand même. Parce que pour payer le loyer, tout ça, je suis en foyer jeune. Je vais bientôt déménager d'ailleurs. Après, je sais pas où je vais être. On verra. Tant que je finis pas la rue, c'est bon. Il manquerait plus que ça. Non, je rigole, je serais obligé de re-squatter chez ma mère. Ça le ferait pas. Hein. Déjà qu'on s'entend pas beaucoup. Mais... Ce que j'aime bien aussi, c'est avoir une paille. Comme ils ont pas mis, enfin, je crois. Je sais pas, j'ai pas regardé en fait. Mais j'ai des pailles personnelles là. Donc... Et le jus d'orange, je vous jure, ils ont mis, attendez, on voit là, ici, ils ont mis jusque là, alors qu'il y a encore tout ça comme place. Au pire, vous mettez, je sais pas, 5 centimes de plus, puis voilà. De toute façon, McDo, c'est cher. Tout est cher dans la vie, je trouve. Même le mini enfant il est plus cher qu'avant. Avant c'était 4€, maintenant c'est 4,30€. Après ça va peut-être encore augmenter. Hein. Pour info, le mini enfant et le menu Maki Best Of, j'en ai eu pour 13€ en tout. J'ai oublié d'utiliser ma réduction pour avoir le dessert gratuit. Mais bon, comme j'ai pris 2 menus, je me suis dit, oh Eden, c'est pas grave, tu l'utiliseras un autre jour. C'était pour avoir un Subway offert. En plus, c'est pas ce que je préfère, le Subway, mais je préfère les Mac Fleury. Avant, j'aimais bien les Viril Parfait, mais maintenant, je suis plus Mac Fleury. J'en laisse pas une goutte. Hein. Enfin... Une trace plutôt, c'est une goutte. Pas assez liquide pour dire goutte. C'est un peu débile ce que je viens de dire, non? Bon, ça qui fait du bruit tout seul. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Comme fast-food entre KFC, McDo et Burger King. Moi, c'est plus Burger King, comme je le disais tout à l'heure. Les frites sont meilleures, je trouve. C'est pour ça que je prends pas tatoues à McDo, parce que sinon, je suis pas très fan. À Burger King aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de choix. En plus, ils font des fondants au chocolat. J'adore ça. Après, qui sait, peut-être qu'il y aura des Burger King partout, il n'y aura plus de McDo. Déjà, Quick, ça n'existe plus. Alors... Peut-être à Paris, mais moi, je suis pas de Paris, donc je sais pas. Il y a du vent dehors, c'est la tempête. Bon, le menu de McDo, il est bon. Il m'arrive parfois de prendre du menu de McDo pomme. C'est délicieux, ça aussi. Alors... Au suivant, il me reste un petit peu de sauce là. Là, il n'y en a plus. Ah zut, il n'y a aucune réduction McDo. J'ai réduction au cinéma. Mais je vais pas beaucoup au cinéma. Je vais en streaming. C'est moins cher. Je suis sur Amazon Prime pour info. Alors, menu Maxi Best Of maintenant. J'ai des patatos encore. Hop là. J'en fous partout. J'ai pas nettoyé la table. Alors. Une autre sauce, heureusement. Et. Un wrap. C'était ça la surprise.
Pour ce qui est du menu enfant, j'ai bien sûr ce petit dessert là, là, goût vanille, yaourt à boire. Donc je le mangerai tout à l'heure. Je me serais bien gardé pour 4 heures. Ouais mais non, pour la vidéo je peux pas faire ça. Faut que je mange tout maintenant. De toute façon il y a presque rien là-dedans. Je suis loin d'être calé les gars. C'est juste que j'ai rien à bouffer ce soir. J'ai pas fait les courses. Et on est dimanche donc. Alors, je tourne la vidéo. Donc bah voilà. Alors oui je sais, j'ouvre ça n'importe comment alors qu'il y a un système exprès. Oh et en plus je l'ai ouvert à l'envers. Je suis doué moi. Attendez, je vais essayer de me rattraper. Hop là. Voilà. Donc pour info, j'ai pris roi pour chèvre. J'adore les chèvres. J'adore les chèvres aussi. Faut agresser par une salade. Oh! Alors oui, ce qu'ils ont pas mis, c'est le sopalin pour s'essuyer les doigts et la bouche. Et effectivement, il n'y avait pas de paille. Il y avait un peu de monde en caisse. Il y avait des places de libre pour s'installer, mais il y avait pas mal de monde en caisse. Donc à peu près, allez, je dirais à peine 10 minutes d'attente. J'ai fait exprès d'y aller à 14h parce que vers midi, c'est pire du coup. Le soir, c'est pareil, c'est blindé. Donc j'essaie d'y aller entre les heures où c'est plus trop censé être l'heure de manger. Comme ça, il y a moins d'attente. Comme j'ai dormi jusqu'à 10h, bon, je pouvais très bien manger à 14h, 14h30. Je pouvais attendre. Ah, désolé. Ouais, je suis un peu en décalage horaire. Parce que là, du coup, il me reste un mois et demi d'arrêt maladie parce que j'ai eu une opération là pour l'angiome. C'est à la lèvre supérieure là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore une petite malformation. Mais avant c'était pire, donc voilà. Et c'était pas facile de faire des vidéos avec ça sur la figure. Donc maintenant que je m'en suis débarrassé, je me suis lancé sur YouTube. Parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Parce que j'adore faire des vidéos et tout. J'adore jouer surtout. Bien sûr, je vais sortir mon autre Winmade. Et un peu plus grand celui-là, c'est normal. C'est parce que c'est celui du menu Maxi Best Of. J'ai pris deux fois la même boisson. J'avais pas envie de prendre d'ice tea cette fois. Alors, ce que je bois le plus, c'est du jus de pomme bio. Hein. Je me rattrape là-dessus. C'est bon pour la santé, j'ai pas de bio. Tout ce qui est coca et tout, c'est pas bien pour la santé. Moi, je m'en fous parce que j'aime pas les boissons gazeuses. J'ai de la chance. J'aime pas l'alcool non plus, j'aime pas la cup, j'aime pas la chicha. Enfin, je suis sain. Mais alors, par contre, j'aime beaucoup les trucs gras. C'est pour ça que j'adore mettre bio. J'adore tout ce qui est pizza, kebab aussi. Voilà quoi. J'ai de la chance de pas grossir. Voilà, du coup, je serais mal. J'aurais plus que mes yeux pour pleurer. Parce que moi qui me critique tout le temps physiquement, si en plus j'avais ça qui devait se rajouter, pouf, je serais mal. Hein. Oh,
J'ai mis un gros bout donc j'ai une bosse là. Je vais chercher du sopalin. J'en profite aussi pour vous faire voir. Voilà. C'est ça que je bois le plus. Je suis pomme bio. C'est bon pour la santé. Ça remplace l'eau me concernant. Je suis pas très haut. Pourtant l'eau c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour la santé. Ah bah c'est bon, j'ai plus droit, j'ai fini. Alors. Patatos. J'en ai un peu plus que sur l'autre. Normal parce que là c'est pas le menu enfant, c'est le menu maxi best of. Il y en a qui vont se dire mais comment il fait pour manger autant? Oh bon. Je me donne pas trop de mal comme vous voyez, c'est pas tout seul. Après j'ai pas pris grand chose au petit déjeuner d'ailleurs, bah tiens. Au petit déjeuner j'ai pris jus de pomme bio, voilà. C'est tout. Parce que vu que je me suis levé tard. Ouais, je suis aussi une grosse marmotte. Non mais je me lève. Genre je me lève à vers 10h, 10h30, mais le soir je me couche tard aussi. 1h, 2h. Donc voilà. Après si j'ai un chantier le lendemain matin, j'essaie de me coucher plus tôt. Mais... Le soir, je pète la forme, alors j'arrive pas à dormir. Par contre, le matin, je galère. Ah là, j'en ai fait quoi de ma panne, moi? Allez, là. Hop. Alors, par contre, ce qui est bien, ce qu'ils ont fait. Alors, KFC chez Boss, que ça fait un bail que j'y suis pas allé. Mais à Burger King et à McDo, ils font des actes bien pour l'écologie. Donc, ça, c'est bien, ça. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps d'ailleurs. En partant l'écologie. D'ailleurs, je vous recommande fortement de faire le tri des déchets, tout ça, pour notre planète, pour vos petits-enfants plus tard. Alors moi, je m'en fous, hein, parce que moi, franchement, je vais rester célibataire toute ma vie, j'ai pas envie d'avoir d'enfants ni rien, je m'en fous. Mais je dis ça pour vous. Hein. Je raconte ma vie. Si ça se trouve, 10 ans plus tard... Je vais me retrouver avec 5 gosses et tout. Non mais je rigole, ça risque pas. J'ai déjà bien assez de moi à m'occuper. Hein. Il y a une sauce que j'adore aussi, mais ça va encore king. C'est une sauce qui pique là, j'adore ça. alors par contre je suis pas très moutarde, mais les autres sauces qui piquent j'aime bien. Mon préféré là c'est le chili là. Chili fromage, je sais plus comment ça se dit. Un... J'avais tellement faim que je vais pas avoir de mal à tout manger. En plus d'être bon moi, bien sûr. Si je sais ce que je mangerai ce soir. Il me reste 2 briques de soupe. La soupe ça va. C'est léger. C'est aux légumes en plus. Il me reste des yaourts, il me reste un chocolat et 3 à la vanille. C'est dans les petits pots en verre là en plus, donc je vous dis, c'est des bons. C'est bien. C'est pas des bien vus quoi, c'est au-dessus. Ouais. Alors, bien vu, c'est une marque. Hein. Pour ceux qui le savent quoi, c'est ce qui est le moins cher. Il me reste aussi quelques princes au chocolat, 4 heures. Je vais pas réussir à terminer la sauce parce que j'ai plus de patates. Il me reste ça en sauce. Du coup. Là, j'ai tout fini. Alors, bah, il me reste ça, c'est tout. Bah, là, j'étais cap pour me renfiler encore un truc comme ça ou un roi. Et là, je suis gourmand. Ça c'est le bruit pour vous donner la preuve que je l'ai bien terminé. Bien, il me reste ça. Donc ça c'est le dessert du Happy Meal. Et je n'aurais pas oublié mon truc à pouvoir Subway. Oui c'est ça. Le Sunday Paul Subway. Oh là là. Je confonds tout. Le Sunday offert là, bah je l'aurais mangé.
ce sera pour une autre fois. Parce que j'ai zappé. J'en ai deux trucs comme ça à utiliser. C'est plus cool de boire à la paille. Après là, j'ai été opéré en octobre et en novembre parce que j'en ai eu deux opérations. Alors à la deuxième opération, j'ai souffert. Ils m'ont mis une caméra dans la narine, ils m'ont enfoncé comme ça. Ça saignait et tout. Oh, au début, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient me faire parce que je voyais un truc là. Je voyais m'enfoncer le machin. Et puis au bout d'un moment, je me disais, mais il enfonce trop loin là, je vais saigner. Et bah oui, en fait, il n'osait pas me dire qu'il allait me transpercer la narine, tout simplement. Du coup, j'ai douillé, grave. Si j'avais su que je devais subir ça pour mon angio, j'aurais jamais fait l'opération. Non, mais en plus, moi, je suis douillé. Alors. Après, là, je retrouve un peu la sensibilité, là, maintenant, au niveau du toucher. Pas complètement encore quand même, mais ça commence à venir. Bon, par contre, je peux pas faire des bisous encore, hein. Je suis désolé. De toute façon, j'aime pas faire des bisous. Il y en a un qui est privilégié. Si il regarde la vidéo, il va peut-être se reconnaître. Voilà, j'ai terminé. Je secoue pour vous le prouver, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo dégustation et conviviale vous aura plu. Et que je vous ai pas trop donné l'eau à la bouche pour certains d'entre vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et à partager à fond. Allez, salut tout le monde.